tous. Alors ça y est, on arrive à la fameuse étape de la peinture dans les finitions de Songo. Et donc, plutôt qu'acheter de la peinture commerciale dont les procédés ne nous conviennent pas forcément, on a choisi de fabriquer nous-mêmes notre peinture à base de farine, dont je vais vous présenter la fabrication maintenant. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser environ 5 kg de peinture, ce qui permettrait de couvrir, selon votre support, entre 15 et 20 mètres carrés. Donc pour cela, on a besoin de 5 litres d'eau. J'en ai mis 4 à chauffer ici, et je vais utiliser 1 litre pour diluer ma farine. Voilà, on obtient une base qu'on peut appeler colle d'ailleurs et que nous allons ensuite ajouter à nos 4 litres d'eau qui sont en train de chauffer. Que j'ai d'ailleurs oublié de mettre à chauffer. Alors une fois ma farine diluée, je vais la verser dans mes 4 litres d'eau chaude. J'utilise un tamis pour être sûre de ne pas mettre de grumeaux dans ma peinture. Ensuite, je mélange le tout et je laisse cuire pendant 15 minutes. Et durant chaque étape de cuisson, il faut veiller à remuer régulièrement pour éviter que ça accroche au fond. Alors, je profite que ma farine soit en train de cuire pour faire mon mélange de pigments. Alors, on voulait une couleur un petit peu beige crème, donc on a choisi de la terre de sienne qu'on va mélanger au blanc de titane à proportion de 50-50. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut jamais mettre plus de 20% de pigments par rapport à la quantité d'eau. Donc, sachant qu'on veut faire 5 kg de peinture, je vais mettre 1 kg de pigments. Donc, 500 g de terre de sienne, puis 500 g de blanc de titane. Sans oublier d'aller remuer ma farine. Je mélange bien mes deux pigments. Une fois mes 15 minutes passées, j'ajoute mes pigments dans la préparation. Je remets le tamis pour éviter à nouveau les grumeaux. Bon, et soit dit en passant, faites pas comme moi, prévoyez déjà une grande marmite plutôt qu'avoir à diviser en deux votre préparation en pleine fabrication de la peinture. Et on refait cuire 15 minutes. À présent, on ajoute l'huile de lin, donc on a besoin de 50 cl. Évidemment, moi je vais faire 25 et 25. Donc l'huile de lin sert de liant à notre peinture. Donc je maintiens toujours à feu doux. Dans la foulée, on va ajouter le savon liquide et refaire cuire le tout 15 minutes. Donc j'ai besoin de 4 cl. Faire 2 ici. De la côté. Donc il faut bien utiliser un liquide vaisselle incolore pour éviter de colorer davantage notre peinture. Et voilà, c'est reparti pour 15 minutes supplémentaires tout en continuant de mélanger. Et bien ça y est, la création de notre peinture est terminée, donc une très bonne texture. Au niveau de la couleur, ça vous d'ajuster en fonction du dosage de vos pigments. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pourrez découvrir plein d'autres épisodes d'astuces autour de l'autonomie sur notre chaîne YouTube. Pour cela, il n'y a qu'à vous abonner. Et si vous voulez aussi découvrir où est-ce qu'on a appliqué cette peinture, comment on a procédé, n'hésitez pas à jeter un œil aux vidéos de la construction de notre camping-car Songo.
Et pour nous permettre de continuer à publier ce genre de petits épisodes gratuitement en ligne, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement, l'équivalent d'un café par mois par exemple. Le lien est dans la description. À bientôt.